Voilà, peuple de Dieu, vous pouvez constater que nous sommes en train progressivement de tendre vers la fin de cette mission. Mais il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que votre foi soit vraiment affermie. Alléluia. Nous avons déjà enseigné beaucoup de choses. Et je vous dis, tous ces enseignements sont sur la chaîne Jésus revient sur YouTube. De temps en temps, allez encore parcourir. Je vous le dis, de temps en temps, allez encore revisiter ces enseignements. Parce que je vous préviens, quand vous négligez ces enseignements, c'est ces enseignements-là que l'ennemi va utiliser pour tenter de rentrer dans la bergerie. Pourquoi? Parce que il sait que quand vous allez négliger ces enseignements-là, lui, il va utiliser ces failles-là contre vous. Je vous le dis, quand nous avons fait le réveil à Ouaga, au Burkina Faso, on les a prévenus. On leur a dit tout ce qu'on vous a enseigné là. Méditez ça au jour le jour. Et c'est alors quand bien même l'ennemi va porter robe blanche pour s'introduire au milieu de vous, vous allez rapidement le détecter et l'exposer. Mais malheureusement, beaucoup ont négligé ça. Et dès que nous sommes partis, ce que nous avons dit est arrivé. Et le diable a pris la peau d'Ayo. Et s'est incarné en Dieu, prophétesse par prophétie. Il a pris l'église en otage pendant 2 semaines. Et aucun d'eux n'a eu le réflexe de nous appeler pour dire, « Hey, serviteur, nous sommes en train de vivre quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Aucun d'eux. Ils ont passé les 2 semaines à avaler les semences sur semences. Semences sur semences. Semence sur semence pendant 2 semaines. Et c'est quand l'esprit a fini maintenant de semer en eux suffisamment, il les a blindés maintenant. C'est à ce moment-là, l'esprit a dit, bon, je vais parler à mes serviteurs. Mais on n'est pas son serviteur. Alléluia. Et c'est alors quand ils nous ont appelés pour dire, ah, Dieu veut vous parler, Dieu veut vous parler. Dis ok. Et il a appelé, ils ont appelé, on a décroché et directement on a su que c'est l'esprit de Python même avec de grands cornes. Avec de grands cornes. Oh, il les a déjà mouillés. Mouillés dans la confusion. Mouillés dans l'égarement. Et l'église avait même déjà pris un coup parce qu'il a semé tellement de choses. Hein? L'esprit dit, hey, toi tu n'es pas marié, bon tu vas marier celle-ci. Hey, toi tu n'es pas marié, hey, tu vas marier celui-ci, c'est mon fils. Hey, toi tu vas marier telle personne. Hey! Il a demandé que tous ceux qui travaillent dans l'église
que tout le monde, que personne ne travaille. Hein? Que lui, il est Dieu, il est descendu avec la richesse. Donc, ceux qui vont au travail, là, non, c'est fini. Que personne ne vont n'aille au travail encore. Et les gens sont restés. Et la maison où on nous avait hébergé là, c'est cette maison-là même qu'ils ont pris ça comme camp. Camp de je ne sais quoi. Camp de lavage de cerveau. Et la nuit comme jour, ils restent là. Et de temps en temps, l'esprit vient sur une sœur. Et quand l'esprit commence par parler, c'est qu'ils sont tous hypnotisés. Hypnotisés. Il va demander à que tout le monde va devenir riche ici. Il n'a pas besoin de travailler. Et des gens ont commencé à abandonner leur boulot. Il a dit à certains de ne même plus rentrer à la maison, de rester ici. Hein? Et l'épée de ressources qu'il y a dans la caisse de l'église, il a dit, non, qu'à se partager ça. Non, qu'à partager. C'est fini. Je vous dis, 2 semaines, 2 semaines, le jour, ils ont appelé directement la ordonné à l'esprit. Et il est tombé en colère. Voilà, un des signes des esprits de Python là. Lorsqu'on leur demande de se calmer, ils s'enflamment. Ils tombent en colère. Ça, c'est l'un des signes des esprits de Python. Alléluia. Si c'est le Saint-Esprit, quelle que soit la prophétie, et on voit que le moment n'est pas approprié, et on s'apprête, un serviteur s'approche pour le calmer là. Il se soumet. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de combat qui se met en spectacle pour discuter avec ses serviteurs. Non. C'est un esprit d'humilité. Alléluia. C'est un esprit d'humilité. On vous a déjà donné l'enseignement sur tous ces choses. Mais je réveille encore votre attention. Parce que je vous dis, l'un des éléments que l'ennemi est en train d'utiliser pour déstabiliser le réveil, c'est les prophéties. On a eu le cas du Togo. Vous avez vu. Alléluia. Vous avez vu. Et ça continue de faire dégâts jusqu'à aujourd'hui. Ça continue de faire dégâts jusqu'à aujourd'hui, cette prophétie-là. Parce que jusqu'à présent, des gens ont cru que c'est Dieu qui a parlé. Donc, soyez vigilants. Vous avez payé cher pour être ici. Donc, rien ne vous ravive de la course. Que rien ne vous ravive votre couronne. Et faites tout pour que vous-même, vous ne soyez pas un instrument d'un esprit de confusion. Que vous ne soyez pas un instrument d'un esprit d'égarement. Alléluia. Ce n'est pas que vous allez résister à l'esprit de prophétie. Mais quand, parce que quand l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit te saisit, tu n'es plus en toi-même. Alléluia. Mais le Seigneur a établi sur l'église les serviteurs pour sonder. Alléluia. Maintenant, si eux, ils sont, ils voient qu'il y a un problème. Et ils voient que, bon, on doit vraiment calmer l'esprit. Et on te calme. Et toi, tu te réveilles. Et tu tombes en colère. Parce qu'on a rejeté ta prophétie. Là, ça veut dire que c'est toi qui parlais. Ou bien. Là, c'est toi qui parlais. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Ça, c'est un point capital que l'Esprit de Dieu veut que je vous mette à l'oreille. Alléluia. Amen. Le rôle de la prophétie dans l'Église est bien connu. C'est pour édifier le peuple. C'est pour exhorter le peuple. C'est pour fortifier le peuple. Alléluia.
S'il y a même de souillure dans l'église, que l'Esprit de Dieu veut dénoncer, veut exposer, plusieurs fois, il va parler de repentance. Plusieurs fois, il va parler de repentance. Alléluia. Et s'il y a même de l'impudicité, il va même nommer le péché. Et le cœur de celui qui est impliqué là, il va tout faire pour que son cœur soit touché. Alléluia. Maintenant, si la personne résiste, il peut procéder par un autre moyen et le frapper. Mais un esprit qui va commencer par citer le nombre de sorcières qu'il y a dans l'église, le nombre de quoi qu'il y a dans l'église, ça c'est pour détruire l'église. Alléluia. Donc, soyez vigilants. Un esprit de prophétie qui fait plus de 30 minutes, ça rentre en prédication. Et les serviteurs peuvent le calmer. Parce que l'esprit de prophétie, l'esprit de prophète est soumis. L'esprit de prophétie est soumis au prophète. Alléluia. Donc, les serviteurs peuvent le calmer en douceur et demander au Seigneur de se retirer. Parce que c'est un don, c'est pas un ministère. C'est une onction. Et cette onction-là est inférieure à l'onction qui est sur les ministres. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit, quand, j'ai dit la Bible, comment dire, à l'école, on dit quand deux femmes se suivent. Donc, le ministre ne peut pas être là et le don va commencer par exercer le ministère. C'est pas possible. Alléluia. Donc, c'est comme ça. Le Seigneur a organisé son église. Donc, un esprit qui n'est pas dans la sainte doctrine, il n'aime pas l'ordre organisé par Jésus. Mais il veut passer outre l'ordre établi et imposer son ordre. Et ça, c'est le jeu de l'esprit de Python, l'esprit de Jézabel. Il y a aussi des esprits de sorcellerie, de famille qui font ça, des esprits humains. On a eu encore ce cas-là au Togo. Oui, c'est un prophète, dit prophète, dit prophète. Les serviteurs, les serviteurs, ont donné le discernement. Ils ont regardé, ils disent, non, regarde-moi. Finalement, l'esprit dit, non, oui, c'est moi, c'est moi. C'est moi l'esprit de sa famille, celle-là. Alléluia. Nous sommes en guerre. La lumière est lumière. Et la lumière, les choses de la lumière, ça se sent. Quand le Saint-Esprit parle même, vous recevez une paix dans votre cœur. Alléluia. Vous recevez une paix dans votre cœur. Vous sentez la vibration du Saint-Esprit. Mais quand l'esprit de Picot parle, vous recevez une flèche dans votre cœur. On sent une flèche. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc c'est très important. Et le Seigneur va remplir cette église de puissants dons. De puissants dons. Chacun aura sa part. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous allons ouvrir le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne. Alléluia. De Christ. Alléluia. Après, Paul a commencé cette phrase pas seulement. Ce qui veut dire quoi? S'il reste quelque chose à vous enseigner, s'il reste quelques exhortations à vous faire pour que vous soyez réellement affermis, la seule chose qui reste à vous dire, c'est que c'est de vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Alléluia. S'il reste quelque chose que nous pouvons partager avec vous. Parce que tout ce que le Seigneur nous a donné, on vous a donné maximum. Alléluia. Maintenant, s'il reste quelque chose à ajouter, il faut seulement que vous vous conduisez de manière digne. De manière digne. De l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir,
soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Alléluia. Soit que le groupe Jésus revienne encore au Sénégal, ou soit que nous sommes absents jusqu'à ce que la trompette sonne, que les échos que nous recevrons de l'église Jésus revient du Sénégal, que ça soit de bons échos. Alléluia. Amen. Que ça soit de bonne réputation. Et que ça soit des choses agréables. Qu'on entende que l'église Jésus revient du Sénégal a grandi en esprit et en effectif. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on entend que l'église Jésus revient du Sénégal à Dakar a multiplié les cellules dans les autres villes du pays. Amen. Que ça soit à Casamance, que ça soit à Ziguinchor, etc., etc. Que l'église Jésus revient du Sénégal a porté des fruits, des fruits et des fruits pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous voulons apprendre de loin de vous. Alléluia. Amen. Qu'on apprenne que l'église Jésus revient du Sénégal est unie, est affermie dans la marche de la sanctification. Alléluia. C'est très important. Donc que nous venions, que nous revenions, ou que nous ne revenions plus, parce qu'il y a deux choses. Alléluia. Soit nous allons nous retrouver encore sur terre, ou soit la trompette sonne et nous allons nous retrouver au ciel. Alléluia. C'est notre grand désir. Et c'est pour ça que nous ne voulons que aucun de vous ne rate à la peine. Alléluia. Alors, vous devez réellement travailler. Alléluia. Demeurez ferme. Que votre fermeté ne faiblisse pas. Je vous en prie. Si vous n'êtes pas ferme, je vous dis avec douleur. Je vous dis avec douleur que des gens qui ont juré que tout le monde peut trahir Jésus revient et qu'eux ne vont jamais le trahir, Satan a tout fait. Je vous dis, Satan a tout fait. C'est pour ça que je vous ai prévenu que quand Satan crée les scandales là, ce n'est pas pour nous toucher nous autres, mais c'est les prévus. C'est pour vous viser. Alléluia. C'est vous qui êtes les premières cibles des scandales. Quand les scandales s'annoncent, nous on fait tout pour éviter que cela arrive. Mais c'est un combat spirituel. Regardez tous les scandales qui ont lieu. Regardez ceux qui ont été l'objet de ces scandales. Nous avons tout fait pour éviter. Alléluia. Nous avons tout fait pour éviter. Mais c'est arrivé parce que la Bible a dit que ça va arriver. Mais malheur pour celui par qui ça va passer. Et quand le scandale arrive, c'est toujours pour disperser l'église. C'est toujours pour disperser les brebis. Je vous dis, le dégât que ce vieux père est venu causer là, je vous dis, on ne s'en remet pas jusqu'à présent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Mais si les brebis avaient écouté les consignes données par le berger, quel que soit ce qui viendra semer, ça ne va pas porter de fruits. Parce que vous nous connaissez, mais l'étranger, vous ne le connaissez pas. Un étranger qui vient chez ton papa, et tu vas commencer par livrer
toute ta vie à l'étranger alors que tu ne le connais pas. Voilà les failles. Donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'homme de Dieu sur la terre, à proprement dire. Donc, le Seigneur vous a montré, depuis qu'il a commencé avec nous, il vous a suffisamment montré, vous connaissez à distance, vous connaissez les caractères de chacun de nous. Et vous pouvez assurer que vraiment, ceux-là, on peut continuer la marche avec eux. Donc, il faut que votre fermeté soit encore ferme. Je vous dis la vérité. Que votre fermeté soit encore plus ferme. Sinon, si vous gardez, si vous gardez ça légèrement comme ça, oh, ça va vous échapper. Je vous dis la vérité. Et ce que vous murmurez dans votre cœur, l'ennemi peut utiliser aussi ça. Parce que quand il lance les scandales, il y a le travail de filtrage qui se fait. Les plus faibles sont rapidement dehors. Et il les ramène dehors, les plus faibles, les plus fragiles. Ceux qui ne supportent pas certaines choses, ceux qui ne supportent pas entendre certaines choses, ceux qui ne supportent pas qu'on leur dise certaines choses, ceux qui ne supportent pas certains problèmes-là, rapidement ceux-là, il les capture d'accord, d'abord. Maintenant, les plus rigides, il va les traiter au cas par cas. Si tu ne résistes pas, je te dis, si tu ne résistes pas, vu quand on a attrapé notre Seigneur Jésus, tous les disciples sont dispersés. Et même le plus dur parmi eux qui dit, Seigneur, s'il faut que je meure, avec toi je vais le faire. Et Jésus a dit doucement, doucement, doucement. Parce qu'aujourd'hui même là, le coq, avant que le coq ne chante trois fois, oh, tu m'as déjà renié. Aïe, avant que le coq ne chante, tu m'as déjà renié trois fois. C'est arrivé, oui ou non? C'est arrivé. Donc le moment doit arriver où la foi de chacun doit être éprouvée. C'est dans l'épreuve de la foi que le Seigneur mesure votre fidélité. Je vous le dis, c'est dans les épreuves de foi que le Seigneur va mesurer votre fidélité. Je vous dis en vérité, Jacques Rassier, je vous le dis, la main sur le cœur, que Jacques Rassier ne veut plus faire le combat à l'église. Combat que, ah, dans tel pays, ils ont capturé les brebis et ils les ont amenés dans tel Jésus revient, ah, dans tel pays. Jacques Rassier a fini avec ce combat. Je travaille seulement. Je vous dis, je travaille seulement. Si quelqu'un m'écoute, je vous dis, si c'est l'argent que vous allez cotiser pour que nous venions au Sénégal ici, je suis sûr que ça va durer. Je suis sûr que ça va durer avant que nous venions. Et si nous sommes venus à nos propres frais, et nous avons fait tout le sacrifice qu'il faut, et quelqu'un va passer derrière pour dire que oh, ces gens-là qui sont venus, oh, ils n'ont pas bien prié pour vous. Non, vous avez vu, non, vous n'avez pas une voie de délivrance. Venez de l'autre côté. Le frère Jésus revient là, c'est de l'autre côté. Venez, on va prier pour vous. Vous êtes libre d'aller où? Je vous le dis. Vous êtes libre d'aller. Mais je vous dis, au portail du ciel, il y a les détails. Hein? Les gens répondront même des détails de leurs actes. Je vous dis, est-ce que tu es fidèle dans la bergerie dans laquelle Jésus t'a mis? Alléluia. Il y a une seule bergerie, mais il y a plusieurs pâturages. Il y a plusieurs champs. Le champ dans lequel le Seigneur t'a placé. Le berger à qui le Seigneur t'a confié. Tu laisses ce berger pour suivre un autre berger. Tu répondras. Donc, nous ne ferons plus ce combat. Parce que nous ne voulons pas faire
la guerre d'onction. Le Seigneur, ce qu'il a mis en nous, c'est ça que nous allons utiliser. Si nous voulons faire la guerre d'onction là, je connais le chemin qu'il va au Nigeria. Le Nigeria, c'est à côté de moi. Je vais là-bas, 3 jours suffit, je vais préparer une calebasse. Et je viens ici, je fais comme ça, brrr, tout le monde va tomber. Brrr. Voilà là où conduit la guerre d'onction. Et je refuse cette, toutes ces pressions que Satan est en train de mettre sur nous. Mais Jacques Grassien n'est pas dedans. Si quelqu'un voit que nous n'avons pas d'onction, qu'il ne peut pas nous suivre, qu'il ne peut pas écouter notre message, il est libre d'aller écouter le message de Jésus revient 1, Jésus revient 2, Jésus revient 100. Nous sommes libres. Mais ce que Jésus-Christ m'a enseigné, je vais le prêcher. Et dans ça, il y a l'esprit, il y a la vie. Je vous le dis, en vérité, plusieurs, même dans leur maison, on n'a pas prié pour eux, mais même en écoutant les enseignements, le Seigneur même les a visités, les a délivrés. Comment nous pouvons délivrer le monde entier? Nous ne pouvons pas. Mais la parole est capable de délivrer tout le monde. Alléluia. Donc, le Seigneur veut réellement que vous soyez réellement faibles. Parce que d'autres soulèvements vont encore venir. D'autres vents vont encore souffler. D'autres vents vont encore souffler. Mais ça ne dépendra pas de nous. Nous, on fait tout pour que votre âme soit en sécurité. On aura fait, on ne fera aucun contrat, aucune compromission avec l'ennemi sur votre âme. Donc vous pouvez avoir cette assurance en vous. Alléluia. Donc, le Seigneur veut que vous ne faiblissez pas dans la fermeté. Parce que quand nous allons quitter, l'ennemi va tenter à se faire souffrir des vents de rumeurs, des vents de polémiques, des vents de ci, des vents de ça. Mais nous sommes venus, vous nous avez vus. Et le Seigneur vous a attesté que nous sommes ses serviteurs. On n'est pas venus, on ne vous a pas vendu des huiles d'onction, on ne vous a pas vendu des mouchoirs d'onction, on ne vous a pas vendu des bracelets d'onction. On est venus les mains vides et on va retourner les mêmes vies. Mais nous sommes contents que vous avez écouté le message. Et devant le ciel va mentionner que nous sommes venus effectivement. On vous a apporté le message. Et si un autre message, un autre évangile va passer par derrière, et si vous écoutez ça, c'est à votre risque et péril. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, continue, mon bien-aimé. Combattant d'une même arme. Attention, pour la foi. Il y a un mot que j'ai oublié. Demeurant ferme, demeurer ferme dans un même esprit. Voilà. Esprit d'unité. L'esprit d'unité doit vous caractériser. Quand c'est comme ça, là, l'ennemi, quel que soit ce qu'il va créer, quel que soit tous les vents qui vont souffrir, vous allez voir que vous serez toujours un. Vous serez toujours debout. Alléluia. Prenez les un seul brindis de balai. C'est passé là, cassé. Mais quand c'est ensemble là, tu fais n'importe quoi, tu ne peux pas casser. Parce que c'est ensemble. Donc quand vous êtes ensemble, c'est comme ça. L'esprit de Dieu vous protège. Vous êtes devenu, vous êtes plus fort. Alléluia. Vous êtes plus fort. C'est une situation qui arrive à telle soeur. Vous allez sentir comme si c'est à vous, à chacun de vous c'est arrivé. Et vous allez travailler pour venir à son secours. Que ce soit en prière, que ce soit en moyen, vous devez tout faire pour l'aider à s'en sortir. C'est ça l'esprit d'unité. C'est pour ça que l'ennemi connaît le secret qui est dans l'esprit d'unité, qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu restent unis. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Vous devez combattre de toute votre force ce qu'on appelle
division. Vous devez combattre ça. Vous devez résister à ça. Avoir l'esprit d'unité du Seigneur. Parce que le Seigneur veut vous voir. Il veut vous voir. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Combattant d'une même âme. Si vous avez le même esprit, c'est que le Seigneur pensait que vous avez une seule âme. Et il vous voit. Et tout ce qui arrive, lorsque ensemble, vous fléchissez les genoux, c'est qu'il voit comme si c'est une seule personne qui est en train de prier, qui est en train de demander soutien. Et c'est que la réponse descend. Alléluia. La réponse descend. Donc, vous devez travailler dans un même esprit, d'une même âme, d'une seule âme, pour que le Seigneur puisse agir au milieu de vous. Je vous le dis en vérité, si vous mettez ces choses en pratique, oh, vous allez voir comment l'Esprit de Dieu va vous faire grandir spirituellement. Vous allez voir comment vous aurez de grands témoignages. Et par vous, beaucoup de Sénégalais qui sont dehors vont voir votre lumière et vont venir jusqu'à à vous pour adorer Jésus-Christ avec vous. Alléluia. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Voilà. Ne vous laissez pas effrayer par aucun adversaire. Que ce soit un adversaire de tout genre. Ne vous laissez pas effrayer. Ceux qui vont vous mettre des choses dans les oreilles. Ah, le groupe Jésus revient. Ah, ils sont déjà rejetés. Ah, le groupe Jésus revient est déjà vomi. Ah, les serviteurs du Bénin là. Oh, il y a longtemps, ils ne sont pas dans la vérité. Oh, il y a longtemps. Oh, il y a longtemps. Peuple de Dieu, c'est des bonnes guerres. Mais vous, restez, il faut résister. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous entendez. Ça et là. Alléluia. Ils vont encore préparer d'autres choses encore. Mais je vous dis, c'est toujours vous, les premières cibles. Donc, le Seigneur, par ce message, vous invite à ne pas vous laisser effrayer, à ne pas vous laisser influencer par les adversaires du réveil. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Voilà. Ce qui alimente ces choses contre le groupe Jésus revient. Pour eux, c'est pour eux. C'est comme une preuve de perdition. Ils sont perdus. Et quand vous les suivez, vous-même, vous êtes où? Perdus. C'est parce que eux, ils sont perdus que ils pensent que nous, on est perdus. Alléluia. Aujourd'hui, il veut faire du réveil une affaire politique. Mais Jean Chrétien refuse. Et je le dis devant vous. Je refuse de faire ce jeu politique. Je refuse. Je vous demande pardon. Je ne veux pas le faire. Même si quelqu'un veut ramasser tous les brebis que nous avons gagnés pour le Seigneur, je m'agenouille, je dis Seigneur, tu as les yeux, tu vois. Je continue mon travail. Si tout le monde refuse maintenant de m'écouter, moi je suis prédicateur de la rue. Dans les marchés, dans les places publiques, je suis à l'aise. Alléluia. Je suis à l'aise. Mais ce ne sera pas le cas. C'est pour ça que je vous exhorte à rester fermement ferme et ne pas suivre les vents de division, les vents de dispersion que l'ennemi est en train de faire souffler ces temps-ci. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité.
il y en a des gens qui calculent le mouvement du vent. Ils vont voir, ah, est-ce qu'avec les serviteurs du Bénin, est-ce que les gens sont remplis? Est-ce que beaucoup sont avec eux? Si beaucoup sont avec eux, d'accord, je vais rester avec eux. Mais ah, regarde là-bas, de l'autre côté là, les gens ne commençaient pas à devenir nombreux. Peut-être que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Au revoir. Alléluia. Amen. Je n'appelle même pas personne pour dire, ah, mais pourquoi tu es allé là-bas? Non, reviens ici. Je n'appelle personne. Je vous dis, le ciel est témoin de ce que je vous dis. Parce que le Seigneur vous a donné suffisamment de signes. Vous avez pleuré dans les églises de la voie large. Seigneur, je cherche la vérité. Le Seigneur t'a amené dans la vérité. Maintenant, tu vois que bon, tu as encore analysé d'autres choses. Faites attention. Alléluia. Ce qui est pour eux, une preuve de perdition. Mais pour vous, une preuve de salut. Ce que nous disons, c'est pour votre salut. Alléluia. Continuez. Est-ce là de la part de Dieu? Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. C'est une grâce même de souffrir ces choses à cause du nom de Christ. C'est une grâce. Quand les souffrances sont là, quand les persécutions sont là, bénissez le Seigneur. Et c'est que une fois encore, le Seigneur encore veut vous retrouvez. Et après chaque épreuve, sachez que vous recevez encore des galons. Alléluia. Si tu ne passes pas par des épreuves dans l'armée, comment va-t-il te décoller? Les soldats qui ne passent pas aucune épreuve là, ah, ils vieillissent dans le camp militaire. On les appelle les doyens. Ils n'ont aucun titre. Aucun titre. Honorable, le titre là c'est doyen, vieux père. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur des persécutions. Mais tant que vous êtes unis en esprit, d'une seule âme, dans la prière, ah, je bénis le Seigneur que vous avez déjà ce cœur. Parce que tous les vents qui ont soufflé là, ces vents ne vous ont pas renversé. Alléluia. Donc maintenant, les éléments que je suis en train de vous donner, c'est encore pour vous consolider. Alléluia. C'est pour consolider encore votre marche. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alléluia. Le combat que nous soutenons tous les jours, c'est que vous soyez réellement en paix, que votre âme soit en sécurité. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre Jean Gracier. Les gens n'arrivent pas à me comprendre. Parce que moi, je suis évangéliste. Et ce que on doit souffrir pour gagner une âme. Pour gagner une âme. Pour que l'évangile touche le cœur de quelqu'un. Pour qu'il abandonne la vie de péché. Pour venir à Jésus, c'est un combat. Je vous dis la vérité. C'est un combat. Et vous, menez ce combat pour le Seigneur. Et quelqu'un va sortir de nulle part et rentrer dans la bergerie pour t'y percer. Regardez comment ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Les gens, les hommes de l'église du Gabon, nous avons travaillé d'arrache-pied à l'église du Gabon. Et les brebis se sont rassemblés. L'église est là. Des gens, je ne sais comment les qualifier. Commencez par leur mettre des choses dans la tête, leur mettre des caca dans la tête. Alors que eux-mêmes, ils ne peuvent même pas prendre soin de leur propre foyer. Ils ont commencé par faire cela. Ah, les serviteurs du Bénin, là, Dieu les a déjà rejetés. Oh non, c'est des gens de vaudou. Il y a longtemps, Dieu les a abandonnés. Ils ont commencé par envoyer ces messages dans les inbox des gens. Dans les inbox des gens.
et les brebis ont commencé, les faibles, les plus faibles, certains ont commencé, qui ont déjà abandonné la prostitution, sont retournés dans la prostitution. Peuple de Dieu, regardez comment ça fait mal. À cause d'un individu, lui ne veut pas aller au ciel. Maintenant, il ne veut pas laisser les autres aller. Si vous ne fermez pas vos oreilles, quand ces gens-là, je vous dis, vous allez devenir leur victime, leur proie facile. Un message atterrit dans ton inbox. On te dit, ah, c'est Dieu qui a donné une prophétie à tel endroit que, ah, ils ont vu le groupe Jésus revient en enfer. Ah, ils les ont vus en enfer. Hey! Alléluia! Pour les prophéties qui sont sorties au Togo, moi j'ai demandé, mais dites-moi, qu'est-ce que nous avons fait que Dieu nous a rejetés? On dit, ah, que parce que nous avons refusé que son serviteur nous suive pour aller à Kara. C'est tout. Et Dieu va rejeter. Et ses serviteurs qu'il utilise pour conduire tout le peuple. C'est pas juste un pays. Sur la planète. Et parce qu'il refuse que vieux père les suive, que vieux père. Qui est? C'est quelqu'un qui a commis des dégâts. Nous suis parlé là-bas. Et des gens ont cru à ça. Des gens ont cru à ça. Regardez quand tu as rejeté Saül. Regardez tout ce qui s'est passé d'abord. Regardez tout ce qui s'est passé d'abord. Pour que Dieu rejette un serviteur. D'abord, avant qu'il choisisse quelqu'un là. C'est tout un travail qu'il fait d'abord sur lui. Il le sonde d'abord. Combien de temps il peut tenir devant les épreuves? Combien de temps il peut tenir devant le diable? Sans céder, sans le trahir. Dieu mesure tout ça là d'abord. Dieu ne choisit pas n'importe qui. C'est pour ça que je vous ai dit, avant que le Seigneur ne me choisisse, il a fait tout un travail sur moi. Il m'a fait la délivrance du premier péché que l'ennemi utilise pour saccager, pour capturer les serviteurs. Quelle impudicité. Là où je suis là, n'importe qui peut se mettre nu devant moi. Donc c'est une grâce. C'est la première délivrance que Dieu m'a faite. Deuxième délivrance que Dieu m'a fait, quel que soit le tas de billets de banque devant Jean Gracien, c'est comme une feuille de d'arbre. Ça ne représente de rien devant moi. Donc mon cœur n'est pas attaché à l'argent. Et troisième délivrance, c'est l'esprit d'orgueil. C'est pour ça que, vous voyez, quand on est avec vous, on est à l'aise. On est à l'aise. Mais par contre, le niveau que le Seigneur nous a amené, ah, c'est les serviteurs qui viennent, les responsables du groupe Jésus revient. Il faut que vous agenouillez pour les saluer. C'est la mort. Mais le Seigneur nous a délivrés de tout ça là. C'est pour ça que quand on vient au milieu de vous, on transmet la joie que nous avons là. On vous transmet ça. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut que donner ce qu'on a. C'est ce que nous avons de plus cher. La joie en Jésus-Christ. C'est ce que nous transmettons. C'est ce que nous transmettons. Mais tellement, nous nous sommes humiliés que des gens voient que maintenant, il faut marcher sur notre tête. Et nous écrasent. Et nous écrasent. Et nous méprisent. Mais tout ça, c'est une grâce. Mais nous vous prions de résister à tous leurs coups pour que vos âmes soient en sécurité. Je vous en prie. Alléluia. Je vous en prie. Continuez. Rentrez dans le chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ. S'il y a quelque chose qui peut me consoler dans le Seigneur,
S'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque chose qui peut me soulager dans l'amour, dans le Seigneur, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, s'il y a quelque compassion que je peux exprimer pour vous, s'il y a une miséricorde que je peux exprimer pour vous, rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Rendez, Église du Sénégal, rendez ma joie parfaite. Prendre notre joie parfaite, c'est de mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Parce que nous ne serons pas toujours ici. Regardez, les gens nous réclament dans un coin à l'île Réunion. Il y a d'autres qui nous réclament à Martinique. D'autres nous réclament en Haïti. D'autres nous réclament en Haïti actuellement. Il y a deux cellules, Jésus revient, qui sont dans des coins qu'on n'a même pas encore pu identifier. Et le Seigneur veut aussi que la même grâce qu'il vous a accordée, pour que vous puissiez avoir quelque temps avec nous, le Seigneur veut que tous ceux-là aussi puissent avoir la même grâce. Donc, ce n'est pas sûr que tous les jours, toutes les situations, nous allons descendre au Sénégal. Non. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas possible. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons en train de parcourir comme ça le monde, comme ça, comme ça. Nous serons peut-être à un point de planète, la trompette va sonner, bam! Nous allons monter. Alléluia. Parce que c'est un processus qui est enclenché par le ciel. Et le processus ne va pas s'arrêter avant la trompette. C'est un processus. Comprenez bien. Ceux qui ont le discernement peuvent vous comprendre. Il y a certains qui disent, non mais si le Seigneur veut accomplir quelque chose du genre prophétique là, ce n'est pas des jeunes garçons du Bénin, des voyous du Bénin qui va choisir. C'est lui qui décide, ce n'est pas l'homme qui décide. Alléluia. Amen. On a présenté les costauds devant Samuel. Il a dit non, je n'ai pas vu ce que l'Éternel désire. Mais on est allé chercher David dans la brousse qui perd les brebis. Et c'est lui, l'Éternel a dit oui, voilà l'homme selon mon cœur. Où est-ce? Donc si Dieu décide d'utiliser un voyou, un ancien voyou, un ancien délinquant, pour toucher le cœur des délinquants du monde, c'est lui qui décide. Alléluia. Mais tant qu'il m'a délivré, je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas allé chercher des fils d'un pasteur? Quand il n'a pas allé chercher l'enfant d'un prophète pour allumer le feu du réveil? C'est parce que il sait le travail qu'il a fait sur chaque âme. Alléluia. Donc, il faut que vous gardez ces enseignements qu'on vous donne et ne banalisez pas vidéo dedans. Je vous en prie. Et les serviteurs qu'on va mettre sur vous là, si vous les méprisez, vous méprisez Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Alléluia. Ayant un même sentiment. Le même sentiment. Vous devez avoir le même sentiment. Je vous l'ai déjà dit. Si quelqu'un souffre parmi vous, il faut que vous-même vous souffrez la même douleur. Et agissez pour le secourir. Ayez le même sentiment. Il ne faut pas qu'il y ait des divers sentiments. L'autre pense ceci, l'autre pense ailleurs. Et s'il y aura de troubles, ne le permettez pas. Je vous dis, vous ne verrez jamais le diable avec ses cornes, avec sa queue. Il travaille avec les semences. Ne permettez pas qu'il y ait des semences étrangères parmi vous. Ne laissez pas la semence de colère. La colère fait partie des plus grandes semences qui lui appartiennent. La colère.
1. Frustration. D'abord, ça commence d'abord par la frustration. Les petites frustrations. Tu n'es pas d'accord sur tout ce qui se passe. Ah, tu sens que non, les choses ne bougent pas. Non, les serviteurs ne gèrent pas bien les choses. Non, les soeurs qui chantent là, il y a un peu d'orgueil en eux. Non, bah, frustration. Après la frustration, viennent les murmures. Et l'ennemi augmente un peu la dose. Il augmente la dose. Les murmures là. Il augmente un peu la dose et ça devient colère. Colère là. Ça rentre. Quand il a la colère là, il va commencer par chercher avec qui il va se décharger un peu. Il dit, seul, c'est toi qui es. Regarde comment les secteurs se comportent là. Est-ce que c'est bon? Toi-même, tu vois ça. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Ils vont commencer par calomnier. Les calomnies. Après les calomnies maintenant, voilà. La haine, les jalousies et les autres apparaissent. C'est pour ça que dès le premier signe de frustration, il faut déjà crier à Dieu. Dès que tu reçois un premier signe de frustration, certainement tu n'as pas compris quelque chose. Certainement, quand tu as mal compris sur quelque chose, rapproche-toi des serviteurs. Des serviteurs que le Seigneur va mettre sur l'église. Rapproche-toi d'eux. Parle avec amour. Et c'est pour ça que vous devez toujours avoir sur vous les fruits de l'Esprit de Dieu. Quand les fruits de l'Esprit de Dieu sont là en vous, les semences du diable ne peuvent pas venir facilement. Je vous dis la vérité. Quand vous avez les 9 fruits de l'Esprit de Dieu en vous, et vous travaillez avec ça, et vous vivez avec ça, pour que Satan ajoute sa frustration, non. Ce serait difficile. Alléluia. Donc c'est un secret pour une vie commune que le Seigneur, par ce message, est en train de vous transmettre. Et gardez ça jalousement avec vous. Continuez, mon bien-aimé. Un même amour. On a parlé d'un même sentiment. Maintenant, on parle d'un même amour. Le même amour doit vous caractériser. Même amour. À telle soeur qui ne vient plus au culte depuis un moment, qui est le premier à demander d'après elle? Qui est le premier à demander d'après ses problèmes? Quand tu l'as demandé une fois, tu as compris que c'est parce qu'elle n'a pas souvent les moyens, parce que la distance est loin, elle n'a pas souvent les moyens de venir au culte. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que tu t'es mis dans ton cœur? Seigneur, donne-moi le moyen que, si c'est 1000 francs, bien 2000 francs qu'elle dépense par chaque semaine, au moins je participe à 500 dedans pour vraiment la soulager un peu. Est-ce que tu as reçu la même chose? Si tu as les fruits de l'Esprit de Dieu, tu vas recevoir cette pensée. Et Dieu va te bénir. Parce que quand tu le fais, ce n'est pas à elle que tu le fais, mais c'est à Dieu que tu es en train de faire ça. Alléluia. Amen. Vous devez avoir le même amour. Amen. L'amour doit, c'est que doit être une connexion qui circule entre vous. C'est que quand l'autre ne voit pas l'autre, c'est qu'il doit sentir qu'il y a quelque chose qui lui manque. Alléluia. C'est très important. C'est comme ça, ça se passe au ciel. Une même âme. Une même âme. Alléluia. Vous avez vu? Apôtre Paul, revenez sur âme. Parce que c'est sacré. Le lien entre les âmes là, c'est que c'est sacré. C'est que en esprit, vous êtes devenus un seul corps. C'est fort. Une même pensée. La même pensée. La même pensée. Quand vous vous fixez des objectifs, à tel jour, nous avons un programme d'évangélisation. Telle date, nous avons un programme de réveil. Il faut que ça ne soit pas en diversion, non. Mais que ça se passe dans l'unité. Et vous savez que, vraiment, quand
programme dans l'église. Tout le monde fait tout pour être ensemble devant le Seigneur. Hein? Ne faites rien par esprit de parti. Alléluia. Ne faites rien parce que vous appartenez à tel camp. Parce que vous appartenez à tel camp. Non. Faites toujours tout pour la gloire du Seigneur. Ne permettez pas qu'il y ait des clans dans l'église. Ne laissez jamais s'infiltrer l'esprit de clan dans l'église. Quand ça commence pas à se former, ah, nous là, le Seigneur, quand on se met ensemble, on prie à part, le Seigneur chose là. Attention. Alléluia. Attention. Ça peut arriver que vous formez peut-être groupe de deux ou bien de trois. Mais vous devez voir les serviteurs. Ah, nous avons reçu inspiration. Alléluia. De nous retirer pour quelques moments pour prier pour l'église. Et les serviteurs doivent être impliqués. Et c'est eux qui doivent accepter. Mais vous ne dites rien aux serviteurs. Et vous vous mettez à part, vous allez à Zingenshop pour aller sur la montagne là-bas. Et c'est là-bas que vous commencez par recevoir des révélations que, ah, les serviteurs du Bénin là, Dieu les a rejetés. Hein? Ah, Dieu les a rejetés. Nous, on est allés sur la montagne, on a prié, Dieu nous a parlé. Hein? Ah, nous, on sait ce qu'on a eu. C'est comme quand la chose est mal faite, si ça ne respecte pas le plan de Dieu là, c'est que Satan exploite ça. Je vous dis, des gens qui ont dit qu'ils ont organisé des jeûnes et prières pour nous. Mais tout ce qu'ils reçoivent, c'est que Dieu nous a rejetés. Aïe! Qu'ils ont pris jeûne de 21 jours, jeûne de 7 jours, quoi là, pour nous, c'est une bonne chose. Mais si les conditions ne sont pas remplies, Satan va exploiter ça. Donc faites aussi attention. Je vous dis la vérité. Tout ce que vous voulez faire, impliquez les serviteurs. C'est très important. Ne faites rien par esprit de parti. Non. Alléluia. Continue. Ou par vaine gloire. Par vaine gloire. Ah, pour que tout le monde sache dans l'église que c'est moi qui prie, c'est moi qui jeûne bien pour l'église. Que ça, ah, c'est dans l'église, c'est nous qui jeûnons. Ah, non. Ah, tel serviteur, je vais prendre en place, je vais prendre en charge ces déplacements. Et tu fais tout pour que toute l'église sache que c'est toi. C'est une vraie gloire. Tu n'auras plus ta récompense. Alléluia. Faites tout avec l'esprit de sagesse. Parce que le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu de sagesse. Continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Voilà. Voilà le secret. L'humilité. C'est que si tu as l'humilité, tu vas voir toujours que tu es inférieur aux autres. Alléluia. Si tu as l'humilité, tu vas voir que tu es inférieur. Quelle que soit ton onction, quels que soient tes moyens, quel que soit tout ce que tu as, tu vas voir que tu as besoin des autres. Alléluia. Tu vas voir que tu vas avoir besoin des autres. Et donc, tu dois manifester l'humilité. Mais celui qui manifeste l'autosuffisance, il se suffit lui-même. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Vous avez forcément besoin de l'autre en quelque chose. Je te dis la vérité. Donc, gardez ça dans votre cœur. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Très bien. Chacun
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. L'intérêt des autres. Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que c'est bon pour l'église? Est-ce que c'est bon pour le peuple? Alléluia! Faut pas chercher ton propre intérêt, ton seul intérêt. Non! Alléluia! C'est très important. Il faut que vous ayez la même pensée, même esprit. Continue. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est l'humilité toujours. Le Seigneur veut que nous puissions en voir le sentiment qui était en lui. Et lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Continue. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Continue. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia! Travaillez à votre salut. Ne le perdez pas. Ça se perd. Ça se perd. Plusieurs répondus présents. Mais tous ne pourront pas. Mais je veux que vous tous, vous puissiez y aller. Amen. Alléluia. Amen. C'est le désir du Seigneur. C'est le souhait de tous les jours pour le Seigneur. Mais vous devez obéir aux conseils qu'on vous donne. Et travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Regardez, dans un pays musulman comme ça, le Seigneur a pu faire le filtrage pour vous obtenir. Vous imaginez ça? Hein? Pour trouver de l'or là, là, tout le travail qu'ils avaient dans le désert, le Seigneur fait plus que ça pour vous découvrir, pour vous arracher. Regardez les témoignages que vous donnez. C'est un grand travail, c'est un grand combat spirituel acclamé pour Jésus. Va faire tout ça là. Et toi, tu vas négliger à cause des considérations, je ne sais quoi. Et rater le ciel. Hey! Si tu rates le ciel là, ton traitement en enfer sera différent. Je vous dis. Différent. Différent. Je vous dis. Plus vous blessez le cœur du Seigneur, plus l'enfer serait chaud pour vous. Alors attention. Attention. La payer un prix élevé pour vous sauver. Alléluia. Pour vous sauver. Regardez. La Bible dit lorsque seul, une seule âme est sauvée, tout le ciel se met en joie. C'est pour ça que tous les jours, le Seigneur travaille. Et quand il travaille, pour vous amasser, pour vous regrouper, et vous, pour des considérations, pour des problèmes, pour je ne sais quoi, vous allez reculer. Attention. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Continue.
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Non seulement que nous sommes là, mais bien sûr, bien plus, quand nous ne serons plus là, devant vous physiquement, ne pensez pas que c'est à nous que vous obéissez, mais au Seigneur. Donc travaillez avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alléluia. C'est Dieu même, l'amour que vous manifestez pour le Seigneur. C'est lui qui a mis en vous cet amour-là. Selon son bon plaisir. Yes. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Faites-le avec amour, c'est ce qu'on vous dit. Faites-le avec un cœur ouvert. Faites-le avec joie. Joie quoi? Avec joie. Et afin que vous soyez irréprochable. Afin que vous soyez irréprochable. Qu'on ne trouve rien à vous reprocher. Que même les païens ne trouvent rien à vous reprocher. Alléluia. Et pur. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alléluia. Soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est dans ça, c'est dans cet attendu que Dieu vous a sorti. Vous étiez là? Vous étiez parmi eux. Vous étiez dans cette génération perverse et corrompue. Et Dieu vous a sorti du milieu d'eux. Dieu vous a détaché de ce lot pour que vous lui apparteniez, pour que nous lui appartenions. Donc, il faut que votre comportement, votre caractère, attitude, tout cela soit pur devant le Seigneur. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Voilà. Comme vous brillez, c'est parce que vous n'êtes pas de ce monde-là que le monde vous hait, vous déteste. Et quand le ciel vous voit, vous êtes la lumière. Jésus-Christ nous appelle la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur Jésus fait de nous la lumière du monde. Et donc, la lumière doit faire quoi? La lumière doit briller. Vous devez briller par vos caractères. Vous devez briller par vos attitudes. Vous devez briller par tout ce que vous faites pour que même un païen de loin vous voit. Que le païen témoigne que lui là, vraiment, il adore un Dieu qui est différent de mon Dieu. Alléluia. Et quand vous menez une vie exemplaire devant les païens, c'est que vous préparez le terrain pour l'évangile. Si tu n'as pas un bon comportement dans ton quartier, il ne faut même pas oser les approcher avec ton affaire de Jésus. Ah oui, ils vont te rappeler ce que tu es. Ils vont te dire, tout le monde peut leur parler de Jésus, mais pas toi. Parce que tu as déjà gâté le terrain. Alléluia. Donc, soyez exemplaires, même au milieu des païens. Il ne faut pas seulement que ça soit à l'église que vous allez faire chrétien. Non, ça c'est être religieux. Ça. Non, ne soyez pas des religieux, mais soyez des chrétiens, des exemples de Christ, des imitateurs de Christ, pour que le monde voit Christ en vous. Que le monde voit l'image de Jésus en vous. Que le monde voit les caractères de Jésus en vous. Sinon, tu salis le nom de Jésus. Il faut que, par toi, les gens aient plaisir d'entendre parler de Jésus. Mais il ne faut pas que, par toi, les gens le dégoûtent du nom de Jésus. Vous allez entendre des gens parler, vous parler de Jésus quelque part, les gens vont cracher. Rien.
frères sont là. Ça veut dire qu'il a déjà eu à traiter avec un chrétien caca qu'il a déçu. Ne soyez pas des chrétiens caca. Alléluia. Soyez des chrétiens modèles. Même dans votre foyer, faites tout pour montrer à votre époux que vous allez, vous avez trouvé un Dieu exemplaire, un Dieu d'amour, un Dieu vraiment rempli d'amour. Montrez ça dans votre foyer à votre mari. Montrez à votre mari que maintenant là, en dehors des bijoux et tout ça là, vos bijoux, il faut que vous lui montrez les meilleurs bijoux qu'il y a en Jésus. L'humilité, la soumission, ce sont les bijoux que vous pouvez désormais porter dans vos foyers, pour gagner le cœur de vos maris pour Jésus. Alléluia. Sinon, il te tabasse parce que tu ne portes plus les collants, tu ne portes plus les trucs là. Il te tabasse, il crie sur toi, il fait cela. Mais il voit que, au fil des jours, quelques semaines, il voit que tu es très sympathique, tu es très humble. Les choses qu'il n'a jamais vues chez toi, avant quand il crie, il dit un, tu dis mille, mais désormais, il crie même sur toi, mais tu souris et tu dis, tu l'appelles encore avec amour. Il va dire, mais, il ne va pas te dire tout de suite, hein. Mais en lui, il va dire, mais, ma femme est en train de changer. Donc, l'affaire de Jésus revient, c'est pas si mal, hein. Alléluia! Il va témoigner. Même dans son cœur, son âme va témoigner. Et petit à petit, lui-même va te laisser. Ok, d'accord. Alléluia. Mais quand il voit que tu deviens pire, et tu ajoutes toute ton affaire de Jésus, reviens là. C'est des paires de gifles. Alléluia. Faites tout pour être des modèles de Christ, même dans vos foyers. Et vous préparez le terrain pour l'évangile. Continue. Portant la parole de vie. Portant la parole de vie. La parole de vie est en nous. Et je pourrai me glorifier. Alléluia. Au jour de Christ. Alléluia. De n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Oh, voilà. Voyez, c'est que si vous pouvez mettre en pratique ces choses-là, le jour où la trompette va sonner et je vais reconnaître chaque visage ici au ciel, oh, je vais pouvoir me glorifier. Nous allons pouvoir nous glorifier de n'avoir pas venu au Sénégal crier en vain. Alléluia! Amen. Tout notre plaisir est dans ça. Alléluia! Tout notre plaisir est dans ça. C'est dans ça. Si nous faisons tout ça là, et au portail du ciel, les brebis de Sénégal sont alliées. Et je n'ai pas vu tel visage dedans. Je n'ai pas vu tel visage dedans. Je n'ai pas vu tel, j'ai dit, même si elle ne pleure pas au ciel là, vraiment mon visage. Alléluia. Il faut tout faire pour que nous puissions nous voir là. Je vous en prie, peuple de Dieu. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Alléluia. Même si, à cause de vous, à cause de ce que nous ne voulons pas, que vous perdez. Et nous crions, nous allaitons, nous faisons tout. Et les gens nous jettent des pierres. Les gens nous lancent tous les injures, les calomnies, les malédictions, les blasphèmes, tout ça contre nous là. Au moins, quand nous voyons que vous êtes toujours sur le chemin, ça nous donne la joie. C'est notre consolation, c'est notre lot de consolation. Sinon, si nous faisons tout ça là, et un, deux, on apprend à tel, elle est retournée dans le monde. À tel elle est retournée dans sa boule, ça nous fait mal. Alors, n'acceptez jamais retourner. Vous aussi, réussissez-vous de même. Et réussissez-vous avec moi. Alléluia.
réjouissons-nous ensemble pour que le Seigneur puisse aussi se réjouir. Donc, peuple de Dieu, voilà en petit lien ce que le Seigneur a mis vraiment pour que je puisse partager avec vous, pour vous exhorter, pour que vous ne faiblissez pas dans cette marche. Parce que des moments difficiles vont venir. Mais tant que vous marchez selon ces commandements, ces conseils, ces conseils que nous vous donnons, je vous dis, vous serez toujours debout dans la voie, dans la marche. Et rien ne peut vous détourner de la voix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.